Bon les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, pour ma part, ça va très bien. Ce matin, au programme, direction la Commanderie, le centre d'entraînement de l'OM. Ça doit faire au moins, je sais pas, peut-être 13 ou 14 ans que j'y suis pas retourné. En tout cas, à l'intérieur, dans les locaux et tout. Ça va me faire bizarre, je pense. Comme quand on retourne dans son ancien collège. Pour rappel, j'ai passé 5 ans au centre de formation de l'OM. Donc j'y allais tous les matins là-bas, j'avais les cours, j'ai fait mes années de lycée là-bas, seconde, première, terminale, en alliant lycée et les cours et les entraînements. Et voilà, ce matin au programme, c'est une petite interview là-bas avec Théo et il y aura Doudji aussi avec nous. Donc voilà, et j'ai pris quand même au cas où, j'ai pris mes crampons. Parce qu'on ne sait jamais si d'un coup, il nous propose d'envoyer quelques frappes ou de faire quelques transversales sur... c'est jamais. Donc j'ai pris... mes crampons sont là. Bon, on va reprendre la carrière là où on l'a laissé. Hein. On va signer le contrat. On a dit 4 ans, ça suffisait. Incroyable de revenir là. Incroyable. Réserve ? Alors ça, même ça, j'ai... Les gars, c'est un truc de fou. Je vis... vraiment, c'est incroyable. Dites-vous que nous, on avait les cours avec le centre. On avait les cours qui étaient là-bas. C'était des préfabriqués des Algeco. On faisait donc les cours ici à partir de 10h. Donc le matin, 8h, on était ici, on s'entraînait là. À 10h, 10h30, on avait cours. On allait manger après à la cafétéria là-bas. Donc là, il y avait les pros qui s'entraînaient. Et ensuite, on reprenait les cours jusqu'à 15h30, 16h. Et après, on revenait s'entraîner ici. Nos vestiaires étaient là-bas. Là-bas, il y a le salon muscu. Et en dessous, il y avait nos vestiaires. Et à l'époque, là, c'était un synthétique. Aujourd'hui, c'est un peu lousé. Je crois que les pros s'entraînent ici aussi. Nous, on s'entraînait là. C'est un truc de ouf. Et qui c'est qui a son petit maillot de l'OM? Andrea? Andrea, c'est pour qui ça? Andrea? Voilà, Rose Papi, tu as raison, Rose Papi. C'est pour qui ça? C'est Andrea? Tiens mon cœur. Oui, c'est un cadeau. Tiens, tu le veux? Oh, les cadeaux. Fais les bisous, vas-y. Voilà mon amour. Regarde, il y a écrit Andrea. Oh non, il y a écrit Andrea. Tu préfères te baigner pour l'instant? Tu te tournes, montre-moi le nom derrière. Wow. Une vraie star. Yeah. T'as plus qu'à trouver ton poste, on te mettra le numéro.